Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. Je tourne cet épisode à la suite du précédent, donc je n'ai pas encore eu vos retours. Et on va finir, en tout cas essayer de bien avancer ce temple, le temple de la contemplation, le tout premier temple. Alors que je n'ai toujours pas de graines. Ah voilà, merci. Et nous sommes déjà à l'épisode 10, mine de rien. Et on n'a toujours pas fini le premier temple. Je vous avais dit, ce jeu est long. Mais comme on dirait, il est long, mais qu'est-ce qu'il est bon. Donc ça ne me pose absolument aucun souci. Allez, on est parti, on ouvre cette porte et on poursuit notre aventure. Alors nous voici arrivés dans une très grande salle. Pour le coup, ouais, c'est vraiment une très grande salle. Ah, ouais. Je dirais même la salle centrale du donjon. Alors, déjà, on va se débarrasser un petit peu de tous les gêneurs. Putain, ils sont tous là. Ah, raté, j'ai raté ce que je voulais faire. C'est pas grave, on va le terminer. On va aller prendre ce qu'il y a là, parce qu'il faut quand même que je me régène un petit peu en vie, tout ça. On a elle là. Vas-y, viens, ramène-toi. Retourne-toi. Elle veut pas se retourner, elle, ou je rêve? Elle ne veut pas se retourner, très bien. Alors elle, on va la laisser dans son coin pour le moment. Je vais explorer la suite. Donc là ici, regardons un peu la carte. Là ici c'est fermé, donc on oublie pour l'instant. Ce genre de truc là, je peux avoir des... Non, je peux pas. Ici, on va se débarrasser de... Je voudrais bien faire une attaque cyclone. Il ne veut pas me la faire, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est bon. Aïe. Voleuse de cœur. Merci. Donc là, c'est fermé également. Et là. Oh. Et là, regardez-moi ce qu'il y a. Non. Et il est pas indiqué sur la carte, lui. Ouh. Alors, du coup, il faut que je fasse méga gaffe. Parce que si ça se trouve, je t'en ai loupé. Eh ouais. Bon, on verra, on verra. Du coup, alors attendez. Tout est fermé. Oh bah j'avais un point de sauvegarde ici aussi, j'aurais pu m'arrêter là. Tout est fermé. Y compris cette porte, oui, y compris cette porte. J'essaye de voir ce que je peux faire en l'état. C'est de voir s'il n'y a pas une liane ou quelque chose. Ah, déjà, je peux pas grimper, c'est sûr. Lui, je peux vraiment pas le buter, sérieusement. Pourquoi il réagit pas comme les autres? Il réagit pas comme les autres. Ne demandez pas pourquoi il ne réagit pas comme les autres. Du coup, dans cette salle, il n'y a pas de croix. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit pour monter, peut-être? Là, je ne peux pas monter. Là, peut-être. Et là, c'est fermé aussi. Oh, mince. Ah. Peut-être... Non. Bon. Creuse-toi les méninges, Julie. Ah, mais oui, d'accord, ok, c'est bon. Ah, mais alors non, c'est pas... Ces trucs-là, je sais pas ce que c'est, hein. Je pensais que c'était vraiment les endroits activés. Mais non. Ah, ou c'est peut-être les endroits qu'on a activés. On va voir ça tout de suite. Nice, ça nous ouvre la porte, déjà. Et, voyons voir. Non. Bon, je sais pas... Ah, non, j'allais dire les points de sauvegarde. Je sais pas du tout ce que c'est, les amis. Écoutez, c'est pas grave. Bah écoutez, je vous ai dit une connerie la dernière fois. Il y a bel et bien un mini-boss. Je m'en rappelais même plus. Ouais, bon, bah écoutez, je suis désolé. J'aurais pu m'arrêter après ce boss-là. Ouh, la vache. Ouh, la vache. La musique, écoutez-moi cette musique. J'aurais pu m'arrêter après ce boss-là, mais bon. Enfin, ce mini-boss-là.
Alors là, il va vraiment s'agir d'attaquer par les endroits où il ne se, où il ne bloque pas. Donc là, au milieu. En bas. En bas. On est en train de bien la mocher. Bim. On s'en sort plutôt bien. Mange-toi un éclat céleste. On lui a rien fait pour le coup. Voilà. Bon, ça vient prendre le coup. Parfait. On l'a eu. Bon, bah, écoutez. Il était pas si terrible que ça, on l'a bien enchaîné. Et on a un coffre qui apparaît. Magnifique. On va déjà prendre les cœurs qu'il y a là. Hop. Yop. Voilà. Et du coup, ouverture du coffre. Avec. Tan-tan-tan-tan. Le scarabée. Cet engin en forme d'insecte vole dans les airs et vous permet d'explorer les environs. Pointez l'écran avec la télécommande Wii et lancez le scarabée en appuyant sur A. Si lorsque vous vous apprêtez à le lancer, vous avez du mal à viser, recentrez le curseur en appuyant sur... Oui, d'accord. Sur bas. Alors pour le coup, c'est un objet assez original qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les autres Zelda. Vous avez obtenu un nouvel objet. Mon analyse indique que cet objet en forme d'insecte est capable de voler. Ouh. Dirigez-le à distance à l'aide de la télécommande Wii. Ses mandibules peuvent sélectionner des choses... des choses fines et frapper de petits objets. Sortez-le avec B et appuyez sur 2 pour consulter son mode d'utilisation. Bien, on va le sortir tout de suite. Le scarabée. Et on appuie sur 2. Visez, puis appuyez sur A pour lancer le scarabée. Recentrez-le, pointez l'écran avec la télécommande Wii, puis inclinez-le pour diriger le scarabée. En gros, c'est comme l'oiseau. C'est un objet assez original qu'on va lancer. Hop, regardez ça. Et du coup, là, normalement, il devrait pouvoir sectionner les petits fils. Et oui, et du coup, sectionner. Bim! Voilà. Donc c'est vraiment génial, on va un petit peu tout sectionner. C'est vraiment génial cet objet, c'est propre à ce Zelda. Et ça va nous permettre d'explorer de lointaines... Qu'est-ce qu'on a fait tomber? Non. Rappelez. On a fait tomber quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Ça va nous permettre d'explorer de lointaines contrées. Mais pour de bon. Hein. Du coup là il faut que je le renvoie de toute façon. Il faut que je le renvoie. On va passer par là. On a pété une des caisses. C'est cool, même si j'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait dedans. Ah d'accord, une fée. Très bien. On va... Non, les caisses, on va pas les péter tout de suite. On va surtout... Carte. On va explorer les petits recoins comme ça. Ah bien sûr, je crois que si je le cogne, ça marche plus. Ah bah non, même comme ça en fait, ça marche plus. Vite, obtiens-moi des rubis. Ah, ok, j'étais trop loin. C'est pas de là, on va s'y mettre un peu plus près. Faut vraiment que j'essaie de trouver un interrupteur pour me... Ah mais je crois que je l'ai l'interrupteur en fait. Attendez. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Oui, ça marche. Yes, c'est bon, ça a marché. Et du coup, ça va me réouvrir la porte, voilà, c'est bon. Magnifique, je cherchais une sortie. Mais en fait, elle était là, la sortie. Bon, et maintenant, du coup, avec le scarabée, on va pouvoir explorer le reste des zones. Ce qui va nous être assez utile. Alors déjà, première chose. Bon, tant pis pour les potions. J'allais dire pour la fée et tout, mais... Enfin, pas... je préfère garder les potions. Alors, on largue lui, on va l'exploser cette fois. Pourquoi? Parce que, du coup, en l'activant, je la fais tomber, et en la faisant tomber... Hop là, c'est bon. Boum. On la termine. Magnifique. Alors, maintenant, il est temps de... Attends, on va faire ça peut-être pour tous. Je sais pas si ça me fera quelque chose ou pas. Mais je préfère le faire. On va toutes les buter. On va faire le ménage dans la salle. Hop. Non. Eh mince. Je suis loupé. Ah, attendez, comment je peux l'avoir maintenant? Se libérer. Ah. Peut-être quand elle... Attendez. Non.
est juste en train de me faire mal comme ça. On va peut-être... Regardez, son abdomen est là. Bon, très bien. On va la laisser pour le moment dans son coin. Elle va retourner se percher, normalement. Je crois, ouais. Nous, on va plutôt explorer donc les petits recoins. À savoir... Genre ici. Hop. Oula, attention à elle quand même. Ah mais je crois que je peux là. Trop tard, j'ai raté. Ah, un cristal. Cristal qu'on active. Qui va nous libérer quoi? Qui va nous libérer cette porte, nickel. Voilà, on progresse tranquillement. J'oublie pas le fragment de cœur, hein, vous inquiétez pas. Je crois qu'il y a Faye qui veut me parler depuis tout à l'heure et je l'ignore. Peut-être une connerie ça. Qu'est-ce qu'il y a? Votre énergie vitale est faible. Oui d'accord mais... Au pire ça, c'est pas grave. Descendons ici. Alors voyons voir sur la carte où est-ce qu'on arrive là. On arrive vers une zone avec un coffre au bout. Pour le moment, j'ai pas grand chose à craindre. Aïe, raté. Je crois qu'il y a le chat qui veut rentrer en plus. Attendez. Bonjour le chat, vous voulez rentrer? Ah bah non, il est plus là. Oui, non. Décide-toi parce que je tourne. Tu veux rentrer? Il se pointe devant la porte. Bon bah, je ferme. Si tu rentres pas, je ferme. Bon bah, salut. Allez. C'est bon, il rentre. Désolé pour ce petit contretemps. Il va demander à sortir dans 30 secondes en plus, vous allez voir, mais c'est pas grave. Alors. Je ne peux pas aller là-bas. Très bien. On a tenté quelque chose d'impossible. Du coup, pour le moment, on va rentrer dans cette salle. Oh là là là, qu'est-ce qu'il y a encore? Encore des ennemis? Non, triple... Ouah! Ah non, mais sérieux, donc il y a sûrement un moyen de la tuer. Donne-moi des indications. Est une sculpture là. Cette arachnide démesurée se terre dans les forêts profondes. Sa technique d'attaque préférée consiste à immobiliser ses victimes dans sa toile. Son point faible est dissimulé sur son abdomen, sous sa carapace. Plus de détails. Comment je peux faire quand elle est par terre, en fait? A tendance à montrer son dos lorsqu'elle attaque, afin de ne pas exposer son point faible. Devez faire en sorte de la retourner pour pouvoir atteindre son point faible. Vous en avez vaincu 5. Ouais, votre habileté, ouais. Et si je fais ça, je peux attaquer avec ou pas? Ah! Attendez. Ah, je n'y arrive pas. Comment je peux faire? Est-ce qu'elle va remonter? Ah bah voilà. Ok, là c'est tout de suite beaucoup plus simple. Bonjour le chat, tu viens devant la télé. Et voilà, merci le chat. Non. Putain, je vais me faire buter à ce rythme là. J'ai fait n'importe quoi. De la vie. Elle est où là? Oh, elle est bloquée, t'es sérieux? Mais c'est pas possible! Comment je fais, bordel? Si elle se bloque là-haut, comment je me démerde? Eh, au pire, reste bloqué. Le chat est devant la télé. Bouge de là. Bouge de là. Attendez. Je suis obligé de bouger le chat, il est devant la télé, je vois plus rien. Ok. Alors, je vais essayer peut-être. Putain, c'est quoi cet épisode du diable? Sérieux les amis, c'est quoi cet épisode du diable? Lui là-haut, je peux pas l'activer. Il faut que j'aille en haut pour l'activer, je crois. Du coup, comment je me démerde là dans cette affaire? Il faut que tu descendes, vas-y, viens, descends. Non! Ok, elle est descendue. C'est pas comme je voulais, mais elle est descendue. On va y arriver du coup. Du coup, elle va regrimper en l'air. Je veux de la vie, moi, le temps qu'elle regrimpe. Voilà.
Elle est où? Elle est là. Allô? Allô, le monde? Oublie-moi. Ok, là, je crois que c'est bon. Sans déconner, je vois pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vois pas comment je peux la buter. Enfin, non, je vois pas comment je peux la buter. Pour la retourner, je comprends pas. Peut-être qu'il faut que je la fasse. Peut-être qu'il faut que je la soulève par derrière comme ça, mais. Ça ne veut pas donc. Alors de là, est-ce que les trois me voient de là? Non. Attendez, j'ai pas le choix, il faut que je descende. Il faut que j'arrive à la. Ah voilà. Ok, c'est bon les amis. Bon, j'ai mis 2 heures à comprendre. Mais au moins, on l'a dégagé. Ouh. Eh bon, c'est fait. Alors maintenant, comment je fais pour faire le troisième? Parce que là, ça suffira pas. On est d'accord. Moi, je pense que c'est... Peut-être de plus loin. Pour que le dernier ouvre sa tête, je sais pas. Je pense que c'est depuis en haut, mais... Y'a quoi là-haut? Ah, est-ce que ça viendrait pas de là? Attendez, j'ai peut-être la solution. Oui, voilà, c'est ça. Ok. On va se surélever juste un peu pour être à la bonne hauteur. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc... On ramène ça là. On va le mettre au milieu. Ah, on avait une autre caisse aussi. Mais l'autre caisse, je crois qu'elle est en carton. Enfin, elle sert à rien. Encore un peu. Voilà. Tu pousses ça maintenant. Voilà. Bonjour. Ouvrez-moi cette grille. Voilà, parfait. On n'a pas du tout galéré. Pas du tout. Alors, du coup, je récupère ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là, c'est je ne sais pas quoi. Sûrement une clé, j'imagine. Et voilà, une petite clé. Vous permettra d'ouvrir une porte verrouillée. Vous pouvez l'utiliser que dans cette zone. Nickel. Enfin, que dans cette zone, ça veut dire que dans ce temple. Hein. Si jamais. Du coup, je fais ça. Il y a quoi là-dedans? Il y a des cœurs. Du coup, c'est magnifique. Et il y avait quelque chose encore là-haut. Une immense toile, mais est-ce que je peux y aller? Non, je peux pas, je peux pas. Ok, ok, très bien. Non, non. A chaque fois, j'ai le réflexe de rappuyer sur A. Voilà. Donc, on est bon à ce niveau-là. On a la clé. Pour aller derrière, en revanche... on va t'envoyer, on va voir ce qu'il y a là-bas. Peut-être quelque chose. Alors, hormis ça. Eh oui, regardez, il y a un cristal. Il y a un cristal qu'on va activer. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce cristal? Ah! Parfait. Bon. Il n'aura pas été vain. Hop, vas-y. Du coup, grimpe. Parfait. Elle. On l'oublie. Non. Voilà. Et ensuite. Oh, attendez, on va pouvoir. On peut la buter maintenant en fait. On sait comment on la bute. En fait, c'est très simple. Hop. Voilà, en fait, c'est super simple. Putain, je pense que j'ai galéré pendant 2 heures. Mais c'est souvent comme ça dans ce Zelda. Pour moi en tout cas. C'est-à-dire que. C'est chaud au début. Puis une fois que t'as les techniques, ça va en fait. Mais.
Étant donné que plein de techniques sont différentes, le chat a encore tout fait tomber. C'est assez chaud de. C'est assez chaud de trouver tout ce qu'on veut. Et attendez, mais c'était quoi l'intérêt? Ah bah peut-être revenir, parce que là oui, je pouvais effectivement pas revenir. Effectivement. Et maintenant, devinez quoi, le chat veut sortir. Donc le chat va sortir. Au revoir, merci d'être passé. Voilà, c'est bon. On est tranquille. Alors, tout ça pour une clé. Une clé que je dois pouvoir utiliser normalement en face, exactement. Du coup, on enchaîne, on va en face. Oh la vache, eh, faut peut-être pas... Ah oui, alors attendez, ça, regardez comme c'est la vie. Bonjour messieurs. Hop. Hop. Bon, là on s'est raté, mais vous avez compris l'idée. Ça permet de trancher. De tous les trancher. C'est trop bien. C'est tellement bien. Voilà, et là maintenant on peut passer sans aucune difficulté. Aucune. Hop, alors. Allez, vas-y, tu peux le faire. You can do it. Parfait. Donc il se ferme à chaque fois, c'est pas bon signe. Il y a quoi dans cette salle au fait? Oh merde. Ah oui, merde, c'est la suite. Mince, mais il y a le quart de cœur. Je pourrais revenir, c'est bon, il y a un raccourci. Je pourrais revenir. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va lui buter. Je crois qu'il faut lui buter toutes ses têtes, c'est ça, un truc comme ça? Ça doit être ça. Toutes ses têtes d'un coup. Voilà, les trois têtes d'un coup. Ok, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, c'est ça ou la porte? Très bien. On peut pas dire que cette salle était très complexe. Juste, on va observer, il n'y a pas des choses ici. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller, ok. Bon, on ouvre la porte. Et on continue en direction. Bonjour. Raté. Mec. Mec. Voilà, c'est bon, j'ai touché. Alors, faut que je fasse gaffe parce que là, il y a du vide. C'est quoi ça? Oh, cool, un crâne d'or. Les collectionneurs diront qu'il s'agit là d'un objet exceptionnel, une vraie rareté. Il n'en lui pas moins d'un éclat inquiétant. Ouais. Je suis assez d'accord. Bon, bah, c'est cool. C'est parfait. C'est bon. Ce qu'il nous faut. Toi. Non, bah, toi. Bonne nuit. Merci d'être passé. Au revoir. Hop, on passe. Il n'y avait rien derrière. Il n'y avait rien. Et on arrive du coup ici. Ah, alors regardez, déjà, première chose. On va activer ça. Ça devrait nous mettre, normalement. Voilà, le raccourci. Alors avant toute chose, avant d'aller plus loin, la salle du boss se trouve là-bas. Effectivement. On va d'abord envoyer quand même quelque chose là-bas en éclaireur. Ici, il y a un cœur que je peux prendre, hein, si je veux, ça me régène. Ça veut dire que je... Ouais, voilà, c'est la suite. Je vais essayer de... Je vais activer ça là-bas. Attendez, il y a rien, là? Si, mais c'est la suite. On va activer ça. Est-ce que je peux l'activer, moi? Oui, je peux l'activer, moi. Parfait. Ah, mais le truc étant que... Il faut que j'arrive à ouvrir cette grille et je ne sais pas comment. Alors, est-ce que c'est dans la salle d'avant? Peut-être. Je prends un peu de hauteur pour regarder si j'ai pas loupé quelque chose. Hormis ça qu'on va activer maintenant. Parce qu'il y a plein de passages dans la salle d'avant que j'ai pas fait encore. Parce que là, je vois pas comment ouvrir ça. Du coup, alors attendez, vu que c'est un accès direct, on va revenir là, je veux mon quart de cœur. C'est
clair, hein, c'est clair, net et précis. Je veux mon quart de cœur. Donc pour ça, ah regardez déjà, on va envoyer par là-bas. On va envoyer par là-bas, il y a peut-être des choses, même sûrement des choses. Ouais, ou peut-être pas en fait. Ok, il y avait rien ici, super. Ici, il y avait rien, donc ces deux-là, on oublie. Ensuite, celui-là là-bas. On part voir ce qu'il y a. Oh, il est compliqué à avancer celui-là déjà. Ouais, alors déjà celui-ci est compliqué. Ça peut être bon signe, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose au bout. Bon, tant pis pour le rubis bleu. Il y a rien non plus. Bon. Ok. On va aller voir là-bas. On va tous les faire. Regardez, il y en a plein. On va lancer celui-ci donc là-bas. Go. Alors pour un rubis jaune, d'accord, et c'était fermé. Bon. Celui qui a là-haut. Go. On prend des rubis en même temps, c'est pas plus mal. Hein. Ah bah super. Ok du coup. En fait je vais rien trouver qui m'arrange quoi. Vous êtes en train de me dire ça. C'est des rubis. Et là-bas. Ah je les avais fait ceux-là là-bas non. Ah non peut-être pas celui-là. Peut-être pas celui-là. J'avais fait les deux du côté là pour activer un truc. Je sais pas comment on active la... On déverrouille le quart de cœur. Peut-être tout simplement en faisant tous les ennemis de la salle. Parce que là, donc là ici on a fait, on est d'accord. Et ici aussi on a fait, très bien. Donc il reste une solution qui est de buter tous les ennemis. Raté. Tous les ennemis et toutes les caisses hein. On va commencer par ça. C'est sérieux. Il est sérieux lui. Y arriver, peut-être. Vas-y, tire. On va essayer de tous les buter, voir si ça m'ouvre quelque chose. Hop. Voilà, lui c'est fait. L'autre, est-ce que c'était fait? Ou est-ce qu'elle est réapparue? L'autre, c'était fait. Ouais, mais alors là, du coup... Il reste quoi? Il reste les caisses. Ah non, je sais peut-être où c'est. Attendez. On va faire les caisses, déjà. Alors là-dedans, il y a des rubis, c'est cool. Je sais peut-être où c'est. Vous allez voir. Alors si c'est ça, c'est fourbe. Je me demande si c'est pas... En haut de la statue. Je vous jure. En haut ou tiens... Ah tiens. Eh. Regarde-moi ça. Allez, tu peux le faire. Ça ouvre quoi là, le quart de cœur? Yeah. Ça ouvre le quart de cœur. Et du coup, on va passer à 7 cœurs. Vous avez obtenu un fragment de cœur, vous avez transformé un nouveau réceptacle de cœur, votre énergie vitale maximum augmente d'un cœur. Magnifique! Nous avons donc 7 cœurs, yeah! Bon, par contre, j'ai pas résolu le problème ici, moi. Mais peut-être que le problème se résout, en fait, de manière toute bête. Peut-être qu'il faut juste que je traverse et que je vois ce qu'il y a à droite. C'est peut-être tout simplement ça. Alors, tu viens ou pas, toi? Oui, tu viens, vas-y. Merde! C'est bon, il est tombé l'autre. C'est bon. Wouhou. J'avais pas prévu qu'il y en a un autre qui arriverait par derrière quoi. Alors vas-y, termine. Là en termes de coffre, il nous manque quoi? Il manque deux coffres, les deux de cette salle. Très bien. Alors, vas-y grimpe, tu peux le faire. Allez, Link. Il me bloque là, vous êtes sérieux? Ok.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh, regardez. J'ai ici, ça grimpe. Donc, j'ai toujours pas compris comment on avait fait pour abîmer aussi vite notre bouclier au début et ensuite plus du tout. On me dirait, je m'en sers pas des masses, c'est vrai, mais quand même. Genre là, oui, voilà. J'allais dire, je dois aller où là? Et du coup, waouh. Go, se balancer par là, du coup. Ah, et le petit coffre, on l'a vu, il est là-bas. Ok. C'était presque bon. C'était presque bon. Allez, on va le faire. Go, c'est bon, voilà. Donc, on grimpe. Et... ah, voilà, et on va y arriver par l'autre côté, en fait. Moi, j'avais voulu le faire à l'envers. Go! Parfait. Mais oui, regardez ça. Magnifique. Et on a la clé du boss, donc, qui se trouve ici. On va se stabiliser. Attends, on va pas faire de bêtises. On va se mettre dans l'alignement. Voilà. Et on va se balancer. Hop. Hop, encore un coup, histoire d'être bien. Oh merde, en fait j'y étais pas du tout. Je n'y étais pas du tout. Je sais pas pourquoi, je pensais que j'étais beaucoup plus près que ça. Alors du coup, ce qu'on va faire, attendez, c'est qu'on va peut-être gagner un peu de... voilà. Là au moins, on est vraiment au bout de la corde. Il va falloir se balancer à mort. Go! C'est bon. Des fois, une seule balance suffit des fois. Genre là, hop. Non. Ok, c'est bon. Alors, ce coffre, les amis, contient... boum! La sculpture dorée. Le mystérieux symbole orne la surface de cette œuvre en or et à la forme surprenante. Bon, voilà, c'est un peu particulier comme, comme clé du boss. Mais c'est bel et bien la clé du boss, je vous jure. Je vous jure que c'est la clé du boss. Et du coup, normalement, ici... ah bah non, non, en fait, que dalle, on peut pas ouvrir, en fait. Je sais pas pourquoi je pensais qu'on pouvait ouvrir cette porte. Alors qu'en fait, pas du tout. Bon, du coup, il ne reste plus qu'à aller là, récupérer le coffre à gauche. Et pour le suspense, les amis, on pourra se laisser. Je pensais qu'on aurait le temps de faire le boss, mais j'ai pas mal galéré à un moment. Sur l'araignée et tout, du coup, bon, voilà, écoutez, là, le prochain épisode arrivera bientôt de toute façon, ne vous inquiétez pas, et on pourra donc... ok, un rubis rouge. On pourra faire le boss. Du coup, je vous dis à très bientôt pour vous, à dans un peu plus longtemps pour moi, étant donné que c'était le dernier épisode d'avance que je tourne pour mes vacances, si vous avez vu la vidéo. Du coup, je vous retrouverai d'ici quasiment 2 semaines de mon côté. Alors pour vous, ce sera dans 3-4 jours max, mais voilà. Du coup, j'espère que j'aurai pas tout oublié, mais je pourrais avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Si jamais j'ai loupé des choses dans le temple, a priori pas, hein, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Si jamais j'ai loupé des choses dans le temple, n'hésitez pas à me le dire. Je sais toujours pas ce que c'est ces croix rouges. Il faudrait que je re-regarde bien ce qu'elle me disait, ce qu'elle m'a dit quand elle m'a parlé de la carte. Je sais toujours pas ce que c'est. Bref, n'hésitez pas à me dire si j'ai loupé des choses, comme ça on le fera. Et puis on se retrouvera la prochaine fois donc pour affronter le boss de ce premier temple. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu comme d'habitude. Et on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.